السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا الذي أو التي أمر في مواضع كثيرة في هذا القرآن العظيم. وصانا الله بالتقوى في مواضع التي لا تحصى ولا تحصى. بل يمكن أن نقول إن معاني القرآن كله أو جله يدور حول معنى التقى. إذا لاحظتم وتدبرتم الآيات القرآنية ستجدون بأن الله جل وعلا يأمرنا كثيرا بالتقوى. لذلك تارة يعم النداء يعني ينادي جميع الناس بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله. يمكن أن نسأل العلماء ما معنى التقى؟ اختصارا التقى هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهي، هذا هو التقى. اتقوا الله. تشففنا الله للوانج أفرطين الله سبحانه وتعالى. Nous le louons, nous implorons son pardon ainsi que son secours. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée à part lui. Nous attestons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le serviteur d'Allah, c'est un esclave d'Allah. C'est le grand nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a surnommé son prophète à lui disant esclave. Et nous ignorons aujourd'hui. Quand quelqu'un t'appelle ce nom, qui est décourageé, alors que c'est le plus grand nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a attribué à ses prophètes, à ses dirigeants, même les croyants, il les a surnommés les esclaves. Regardez au sujet du prophète Allah dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ila akhir al-ayat. Et Subhanalladhi asra bi'abdihi, il a dit son serviteur, il a dit encore Alhamdulillah illadhi anzal ala abdihi al-kitab. Le prophète dit encore, il a dit qala inni abdullah wa ibadu rahman. Voici le nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a attribué à ses prophètes et les compagnons. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de combler ses prières et ses bénédictions et ses miséricordes sur ce prophète et ses frères prophètes ainsi également, et que la même paix et le même salut soient attribués sur les gens de sa famille et tous ceux qui vont emboîter leur pas jusqu'au jour de la rétribution. Et vous invite, vous et moi, craignons Allah. Dans beaucoup de versets dans le Saint-Coran, Allah nous appelle, il nous interpelle, il nous dit, ô vous les hommes, ô vous qui avez cru, craignez Allah. On peut plutôt dire même que tous les versets du Saint-Coran tournent autour du sens de taqwa. Craignons Allah. Craignons Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, ô vous les hommes, craignez Allah qui vous a créé à partir d'un seul être. Et de celui-ci, il a créé son conjoint. Et à partir de ses dés, il a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, celui dont vous implorez les uns et les autres. Craignez aussi de rompre les liens des parents. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît parfaitement vos actions. Il connaît qui vous êtes. Craignez Allah. Inch'Allah, nous allons essayer de rappeler qu'on savait à l'ayam allati na'ishu fiha hadiyan khafadan hadi l'ayam ayam dhikr. Les jours que nous vivons actuellement, ce sont les jours de rappel
C'est les meilleurs jours de l'année. Vous avez vu, on vient de passer ce jour, ce grand jour de l'année, Yawm Arafa, qui est le meilleur jour de l'année d'après Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, beaucoup de nous, ils ont observé le jeûne, d'autres ils ont observé la lecture du Coran, d'autres ils ont observé le rappel d'Allah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il exauce nos bonnes œuvres et qu'il nous pardonne. Dans cet inshallah, nous allons comprendre le mérite et l'importance des zikrullah. Fadlu zikrullahi jalla wa'ala, qui est négligé par beaucoup de personnes. Beaucoup des gens, ils parlent seulement des zikrullah, mais ils ne font pas le zikrullah. Inch'Allah, le premier point, nous allons parler le mérite des zikrullah, fadlu zikrullah. Le second point, nous allons essayer de parler le châtiment et le jugement de celui qui néglige de faire le rappel d'Allah. Inch'Allah. Al-Dhikru Allah. Il y a la Buddha an yakuna qalbul mar ou qalbul ard muttasilan bi rabbihi jalla wa ala li yahmiya qalbahu wa yahfadahu wa li yajida ما نسمي به الطمأنينة القلب لأن الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Le cœur d'un serviteur doit contacter Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il protège son cœur, pour qu'il gagne la tranquillité du cœur, parce que la tranquillité du cœur se trouve dans le rappel d'Allah. Pour avoir un cœur qui est apaisé, un cœur qui est tranquille, il faut faire le rappel d'Allah. Allah nous a dit Allah. Regardez le mot Allah. Quand vous contactez les pharaons de Nahou, ils vous expliquent ce mot Allah. Allah, en langue arabe, al-aslu hadhihi al-kalima bimana tabihu, wal-ma'ana ismahu. L'origine de ce mot, c'est faites attention, intabihu. Mais le sens de Allah bimana ismahu, écoutez très bien. Allah, écoutez très bien, bizikrillah, c'est par le rappel d'Allah, tatma innul kolo. Que le cœur se tranquillise. Pour voir la tranquillité du cœur, il faut faire le rappel d'Allah. Il faut invoquer le nom d'Allah. Il faut parler le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset nous montre réellement l'importance des zikr. L'importance des zikr Allah. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يعني يشبه أو يمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه قال كمثل الحي والميت. Regardez l'image du prophète عليه الصلاة والسلام qui l'a donné l'exemple de celui qui fait le rappel d'Allah et celui qui n'existe de faire le rappel d'Allah. Le Rasoul il a dit il ressemble à un mort et un vivant. C'est-à-dire celui qui fait le rappel d'Allah, celui qui est vivant. Et celui qui néglige de faire le rappel d'Allah, il est déjà mort. Spirituellement, il est mort. Même si en réalité, il vit, il mange, il boit, mais chez Allah, il est considéré comme si il est mort. Il y a des gens, les membres ne fonctionnent plus chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, « Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim » أأنذرتم أن لم تنذروا لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم الله إلى سيله إلى كناسه لك وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ils ont un grand châtiment le jour de la rétribution. C'est des morts parce qu'ils ne font pas le rappel d'Allah, parce qu'ils négligent de faire le dhikrullah. Dhikrullah, c'est l'une des plus grandes œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a ordonné dans le Saint-Coran. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam yawm min al-ayyam wa jala sahaba fa qala lahum ala ukhbirukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khayrun lakum min infaqi adh-dhahabi wal-waraq wa khayrun lakum an talqaw 'aduwakum
فتضرب عناقهم ويضرب عناقهم. تعجب الصحابة يخافوا الكرام. ألا تسمعوني جيدا؟ الرسول يخبرنا عن عمل يفوق الصدقة في سبيل الله. كلكم تعرفون ماذا قال الله عن الصدقة، يعني هذا العمل يفوق أيضا الجهاد في سبيل الله. ما هذا العمل؟ الصحابة تعجبوا، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. Et tout le messager d'Allah alayhi wa sallam, il a trouvé ses compagnons, il leur a dit, laissez-moi, je vais vous indiquer la mère de Dieu et la plus pure de Dieu et l'œuvre qui vous élèvera en degré dans le paradis. Et une œuvre qui dépasse de dépenser ton argent et de dépenser l'or, l'argent, etc. Et une œuvre qui dépasse de rencontrer tes ennemis. Tu leur tends ton épée et ils te tendent leur épée. Vraiment, les compagnons du prophète se sont étonnés. Quelle œuvre qui dépasse le monde, fils de l'Inga? Écoutez ce qu'Allah d'abord il a dit d'abord au sujet de l'homme. Allah dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. Celui qui donne un seul franc dans le sentier d'Allah, il ressemble à quelqu'un qui a sémé un grain. Et ce grain donne naissance 7 épis. Chaque épi donne naissance 100 grains. Regardez la récompense. Regardez l'image. Et Allah dit Wallahu da'if liman yasha. Et maintenant, très cher frère Allah, il y a une œuvre qui dépasse tout ça. Le messager d'Allah nous dit c'est le zikrullah. Le rappel d'Allah, l'invocation au nom d'Allah. Invoquer, penser à Allah. Avoir un souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ton cœur, tu penses à Allah. C'est très facile. Tu invoques Allah par certains mots, par certaines phrases. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est les meilleurs mots pour invoquer le nom d'Allah. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kalimatan khafifatan ala lisan, habibatan إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. Le message d'Allah dit, il y a des mots, c'est très facile à prononcer. Qui parmi vous, qui parmi nous ne peut pas prononcer Subhanallah, Alhamdulillah? C'est très facile. Mais le message d'Allah, il a dit, c'est des mots pèseront lourd, lourd, sur la balance au jour du jugement dernier. فَأَمَّا مَنْ خفت موازينه فهو في عيشة راضية. يا سيديمو لزوج جزء من الدنيا سيديمو لا مصدق الله دي سيديمو فابي سيلور سلا بلا لزوج جزء من الدنيا. فما سقلت موازينه فهو في عيشة راضية عفان. إذا فاي سيديمو سبحان الله الحمد لله. حتى جاء في الحديث الصحيح بأنه سينادى على العبد يوم القيامة فيعطى بسبعة وسبعين سجلات وكلها مملوءة بالسيئات فيعطى فيقال له هل لك من الحسن فيقول لا فيقال له إنك اليوم لا تظلم فيعطى ببطاقة واحدة والله مكتوب فيها لا إله إلا الله قد نطقها في الدنيا فتوضع هذه البطاقة في كفة وتوضع هذه السجلات في كفة فتطيش السجلات. إخوة الكرام، voyez le jour du jugement dernier, on va appeler un serviteur, on lui donnera 99 papiers, c'est rempli des péchés qu'il a fait dans son âme. C'est mauvaise action, c'est mauvaise œuvre. 99 papiers, tout est écrit là où la fornique, là où il a fait. Et là où il a menti tout, on lui donne. On lui demandera, as-tu une bonne action? Il dit vraiment, je suis compté parmi les perdants. On amènera une seule carte. C'est une seule carte. Quand vous regardez le livre intitulé Kitab al-Tawhid, vous allez voir ce hadith. Beaucoup de rapporteurs des hadiths ont rapporté ce hadith. On lui dit une seule carte. Une seule carte. C'est écrit sur cette carte.
La ilaha illallah qu'il avait prononcé. Regardez, la grand-mère, l'immense du rappel d'Allah. On pose cette carte sur la balance et les 99 papiers remplis de PC tirés de notre côté. La seule carte, ça va peser les 99 papiers remplis de PC. La ilaha illallah. Et quand on a dit, il y a tout. اسمعوا هذه القصة هذا النبي الذي يسمى يونس عليه الصلاة والسلام كلكم تعرفون قصة يونس عليه الصلاة والسلام أو اسألوا أستاذ ياسين من كبار المفسرين في ليبرتي بين كونتاكتين الشيخ أستاذ ياسين il va vous expliquer qui était يونس le prophète Zona فخرج من قومه مغاضبا il a sorti Il a quitté son peuple, il était irrité. Il avait une colère contre son peuple. Farakiba Safina. Il a monté sur un bateau, il a pris le bateau. Le bateau a commencé à détourner dans la mer. Il y avait les vagues. Ils ont dit, il y a un pêcheur entre nous. Avant d'abord, un prophète, avant de quitter son peuple, il faut la permission d'Allah, il faut l'ordre d'Allah. Avant de bouger, il faut qu'Allah lui donne l'autorisation de bouger. Mais lui, il a bougé, il a quitté son peuple sans la permission d'Allah. C'est une erreur. Il a monté sur un bateau. Directement, le bateau a commencé à tourner, va et vient dans la mer. Ils ont perdu le contrôle. Ils ont dit, il y a un homme entre nous, il a commis une faute. Maintenant, ce qu'on va faire, il faut qu'on diminue les bagarres. Les bagarres, c'était les hommes. On sait qu'on va faire, on va faire un tirage au sort. Ils ont fait la première fois, ça, le prophète Zounous, il a pris la part au tirage au sort. Ils ont dit non, lui, c'est un homme du bien. Lui, c'est un prophète. On lui laisse. Ils ont recommencé aussi, il a pris la part. La troisième fois, lui-même, il s'est lancé dans la mer. Le prophète Zona a dit salat au salam. Et un grand poisson, l'avala. وكان في بطن هذا الحوت العظيم فأسمع الله ليونس عليه السلام في هذا البطن صوت تسبيح الأسماك الله سبحانه وتعالى il a fait entendre le prophète Yunus lorsqu'il était dans le ventre du poisson il a entendu les petits poissons qui célèbrent la glorification d'Allah les petits poissons qui disent subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Il s'est étonné. Directement, lui aussi, il a commencé de répéter la même chose. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Dans les ténèbres, Allah lui-même, il a mentionné ça dans le Saint-Coran. Allah a dit وَظَنُّونَ إِذَّابَ مُغَادِبًا وَظَنَّ عَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا مَنْ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Rappelle ton peuple sur le sujet des Zannoun. إِذَّابَ مُغَادِبًا Quand il partit, irrité, pensant que nous n'allions pas lui éprouver, il a appelé dans les ténèbres, dans les fondants de l'Oman. La ilaha illaha. Regardez l'invocation du prophète Yunus. Il a dit La ilaha illaha. Point de divinité à part toi. Subhanak. Gloire à Allah. Gloire à toi. Purité à toi. Il a dit Inni kuntu min al-zalimin. Je suis compté parmi les injustes. Prophète Yunus, dans le ventre des poissons. Mais après avoir prononcé cette invocation, qu'est-ce qu'Allah s'en parle il a récompensé Allah dit Fanatjaynahu min al-gham. Nous l'exauçons et lui sauvons de son angoisse. Allah dit Wa kadhalika nunjil mu'minin. C'est ainsi nous allons sauver les croyants. C'est-à-dire, tout croyant qui prononce cette invocation, La ilaha illallah subhanaka inni kuntu min al-zalimin, Allah va exaucer son invocation et puis Allah va lui sauver. On n'a pas de soucis. Vraiment, on a des soucis. Mais pourquoi on refuse d'appeler Allah? Nous, un musulman ne devrait pas souffrir. Allah t'a donné quelque chose qui coûte cher. La croyance. Quand il y a la croyance, tu as un petit souci, appelle Allah. Il faut contacter Allah. Tu l'appelles. Dans ce hadith, le Rasoul nous dit « Kulla layti yanzilu la ila sama'i dunya » ويقول هل من سائل فأعطي وهل من مستغفر فأغفر له أو كما قال إلى قيام الساعة. Le message d'Allah nous dit
tous les jours, toute nuit, Allah il descend.